Salut à toi et bienvenue à cette nouvelle pensée du jour. Que le Seigneur puisse te bénir encore et encore à travers ces messages. J'ai toujours été interpellé par les différences que les hommes avaient l'habitude de faire entre eux. Certains parce qu'ils sont de telle ou telle origine, certains parce qu'ils sont de telle ou telle famille. Eh bien, sache que dans la Bible, le Seigneur nous montre qu'il veut utiliser toutes les personnes. Voyons cela ensemble. La pensée du jour se trouve dans Juges chapitre 11 au verset 2. La femme de Galaad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Dans cette histoire, Jephté est appelé par Dieu à délivrer Israël. Mais avant que cela puisse se réaliser, ses frères, à Jephté, l'ont rejeté. Pourquoi ? Parce qu'il était fils d'une autre femme. Toi aussi, peut-être que tu te sens rejeté par tes amis, par ta famille, peut-être par un groupe auquel tu souhaitais appartenir. Sache qu'en dépit de ce rejet que Jephté a subi, il a fait confiance à Dieu et il a pu délivrer Israël avec le Seigneur. Le fait qu'il ait été enfant d'une autre femme n'a joué en aucune manière sur la capacité que le Seigneur a pu placer en lui et la manière avec laquelle le Seigneur l'a utilisé. Alors si toi aussi tu te sens un peu mis à part ou rejeté à cause de ta famille, à cause de tes origines ou à cause de ton histoire, sache que pour le Seigneur, ce n'est pas du tout un problème. Bien au contraire, sache que le Seigneur t'a choisi, il t'a voulu et il souhaite utiliser toi aujourd'hui dans son œuvre. Que le Seigneur puisse donc te bénir et que tu puisses comprendre comment le Seigneur souhaite t'utiliser dans sa mission et que tu puisses t'épanouir à son service. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était un plaisir de partager avec toi la pensée du jour. J'espère que tu as été richement béni et touché par ces messages. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager avec quelqu'un qui t'est proche. N'oublie pas, demain, rendez-vous pour la nouvelle pensée du jour.